Et bien salut tout le monde, c'est HipotGamer172, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super, on est de retour aujourd'hui sur MCPE pour la présentation d'un add-on assez sympa, je vais vous montrer tout ça, c'est parti. Du coup, les amis, aujourd'hui on va voir un add-on assez spécial, donc c'est l'add-on Morph. Je ne sais pas si vous connaissez, mais vous devez sûrement connaître. Donc il y a un mode qui était sur Minecraft PC et on pouvait toujours tout simplement l'avoir maintenant ici sur Minecraft Pocket Edition. Donc là je suis sur Minecraft Pocket Edition version Windows 10. Du coup, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller dans le lien qui se trouve en description pour télécharger tout simplement cet add-on. Et on va aller dans le chat et on va mettre une commande, on va faire effect comme ceci. Voilà, ensuite on va mettre @p comme ceci, on va mettre l'effet donc invisibility, donc qui est l'invisibilité bien évidemment, et ensuite on va mettre des secondes, donc là on va mettre 992 etc, hein. On va mettre autant de secondes, on va appuyer sur 1 et on va mettre hop true comme ceci, et du coup là on est invisible. Alors je vais mettre en mode comme ceci, voilà, et du coup si on fonce sur un mouton, ok, donc là je suis tombé dans l'eau, alors attendez, on va se relever. Et donc, comme je le disais, si on fonce sur un mouton, hop, regardez, je suis le mouton maintenant. Si je fais ça, regardez, je peux marcher en tant que mouton. Et c'est vraiment super, c'est vraiment magnifique. Hop, on est un petit mouton. C'est vraiment parfait. Et on peut faire ça avec tous les mobs. Regardez, même le mouton mange. Et on fait même les actions du mouton, tout simplement. Et on a un mouton, regardez, si on regarde le skin tout en haut dessus, quand je cours comme ceci, regardez. Eh ben, je suis un mouton. Quand je vole, pareil. Regardez, je suis un mouton qui vole. C'est vraiment parfait. Ok, donc maintenant, on va tester avec un nouveau mob. Donc, tout simplement, pour pouvoir tester ça et tout simplement sortir du corps de cette de ce mouton, tout simplement, on va aller dans le chat et on va mettre la commande suivante. Donc, on va faire slash. Et on va mettre la commande kill. C'est tout simplement pour tuer le joueur. On va mettre @e, donc qui est toutes les entités. Et là, on va faire un truc spécial, les amis. On va aller prendre les crochets qui se trouvent... Alors, attendez que je trouve les crochets qui se trouvent juste ici. Et on va mettre type, comme ceci. Vous allez mettre égal, point d'exclamation. Là, on va mettre player, comme ceci. Ensuite, on va mettre une virgule. On va ensuite mettre R, comme ceci. 3, logiquement. Et ensuite, on va faire ceci et... Ok, ça fonctionne pas. Ok, ça fonctionne pas parce que j'ai oublié le égal. Du coup, on va juste mettre le égal ici au R, désolé. Comme ceci. Et on referme les crochets, bien évidemment. Et hop, ça fonctionne. Et vous, vous êtes toujours là, bien évidemment. On va se repasser en mode, voilà, comme ceci. Normal, sauf qu'on est invisible, bien évidemment. Donc, on voit pas notre main. Mais ensuite, on va prendre des mobs. Du coup, on va mettre ici mob. Ok. On va mettre spawn. Non, c'est pas du tout ça. Voilà, on va prendre des œufs ici. On va prendre, par exemple... Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Je vais prendre des lamas, comme ceci. Ce sera assez magnifique. Et du coup, hop là, on rentre dans le lama et nous sommes maintenant un lama. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bien évidemment, un lama qui vole, comme ceci, c'est plutôt parfait. C'est assez marrant en fait. C'est plutôt sympathique. Du coup, voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si jamais vous avez aimé ou pas. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine, c'était HipotGamer172. Allez, bye tout le monde, ciao!